Hey! Hoyo Minasan, c'est Kensho! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4. Arrête de faire ce bruit, toi là-bas! Sérieux! Tous les jours qu'on a le droit d'aller sur le terrain, nous autres aides de camp. Ouais, c'est pas faux. Non, il faut pas monter pas par là. En plus, il faut passer pour. Je viens de réparer quelque chose. Venez à Tigan, si ça peut vous intéresser. Ok. Il y a des choses cheloues dans ce bâtiment. J'ai pas envie de regarder sur la map et me TP directement que là je peux faire ça, tac tac. Là, je peux faire ça du moins et hop, voilà. Ça, ça fait plein de TP. Bon, et on va parler au général Maxon. Ok, bon, allez, c'est parti. On va voir Mistel. Vous avez quelque chose à me dire, chevalier? Ouais, on m'accuse? What? Rien à cacher. Pas du tout. Je n'ai rien à cacher. Je trouve ça difficile à croire. Le connétable Quinlan a terminé de déchiffrer les données que vous avez récupérées à l'Institut. Parmi ses découvertes, il a trouvé une liste des synthétiques qui ont disparu ou qui se sont échappés de leur complexe souterrain. Après une analyse minutieuse de ces informations, nous avons découvert quelque chose d'étonnant. Le paladin Dance correspond en tout point à l'un des synthétiques de cette liste. What? Quinlan en est absolument certain. Il a contre-vérifié ces informations plusieurs fois. Je peux vous assurer que ces résultats sont absolument exacts. Les données que vous avez rapportées contiennent les informations génétiques de chaque sujet, tout comme les dossiers que nous créons pour chacun de nos soldats. L'ADN du paladin Dance correspond exactement à celui d'un synthétique qu'ils appellent M797. Et pour ne rien arranger, il a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Cette absence soudaine ne plaide pas en sa faveur, et renforce notre conviction que M797 et le paladin Dance sont une seule et même personne. J'ai du mal à croire qu'il ne s'est jamais confié à vous et vous a ensuite demandé de garder le secret. Après tous les efforts que j'ai fournis, pourquoi je risquerais ma place dans la confrérie? Parce que vous ne vous attendiez pas à ce que cette information soit dévoilée un jour. Maintenant, dites-moi la vérité avant que je vous fasse jeter par-dessus bord. What? Je vous jure que non. Il ne m'a jamais avoué qu'il était un synthétique. J'ai comme l'impression que vous me dites simplement ce que je veux entendre, chevalier. Voulez-vous recommencer? Vous ne vous êtes jamais dit que Dance pourrait ne pas se douter de sa propre identité? Absolument pas. Et même si c'était vrai, Dance représente toujours un danger indéniable pour nous tous. What? Votre sincérité est surprenante. Je me suis peut-être trompé sur votre compte, finalement. En fait, j'ai décidé de vous croire sur parole. Toutefois, ça ne vous dispense pas de faire votre devoir. Dance est un synthétique. Il représente tout ce que nous haïssons. Il est une abomination technologique. Notre mission dans le Commonwealth est claire. Pour préserver notre avenir, il est nécessaire de détruire l'Institut et ses créatures. Je vais donc vous donner l'ordre le plus difficile que j'ai jamais donné. Je vous ordonne de retrouver Dance et de l'exécuter. What? Il n'y a pas d'autre solution. Non. Ma décision est prise. Écoutez, je n'oublie pas que Dance était votre mentor. Et je sais que c'est difficile pour vous. Mais si nous voulons rester forts, nous ne pouvons pas faire d'exception. Même si ça implique d'exécuter l'un des nôtres. Allez voir le connétable Quinlan. C'est lui qui a analysé les données. Il devrait pouvoir vous donner une piste. J'oubliais. Si vous menez à bien cette mission, il y a une promotion à la clé. Alors, ne me décevez pas. Rompez. What the fuck? C'est chelou ça.
Je suis sur le cul, là. Dance, un synthétique ? Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. On m'a prévenu de votre venue. Je suis navré pour toute cette affaire à propos de Dance. Qu'est-ce que vous savez de la situation ? Pendant que je déchiffrais les données que vous avez récupérées à l'Institut, je suis tombé sur une liste. Il semble que l'Institut tienne des registres très détaillés sur tous ces synthétiques, dans lesquels il consigne notamment ceux qui ont disparu. En étudiant cette liste, je suis tombé sur une image de Dance, qui portait la mention M797. Après une rapide comparaison d'ADN avec nos propres registres, tout est devenu clair. J'imagine que c'est un gros choc pour vous, chevalier. Et suis désolé. Ce ne sont pas des excuses que je veux. Je veux savoir où il est. Oui, vous avez raison. J'ai épluché les rapports de mission de Dance et, malheureusement, je n'ai trouvé aucune information concrète. Comme vous le savez, Dance possède une connaissance approfondie du Commonwealth. Ce qui veut dire qu'il aurait pu se réfugier n'importe où. Notre meilleure approche, à mon sens, consiste à identifier tous les endroits où il s'est rendu et à les rayer de la liste des possibilités l'un après l'autre. Mettez-vous à l'aise. Ça pourrait prendre un certain... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dance ? Un synthétique ? Je comprends que vous puissiez douter de la véritable identité de Dance, Scrib. Mais je peux vous assurer que mes découvertes sont parfaitement exactes. Alors lui, il tend un piège à Dance, et vous, vous l'éliminez, c'est ça ? Qui vous a parlé de ça ? Il n'y a pas de secret dans la confrérie. Maxon nous a clairement demandé de localiser le paladin Dance. Et si on le trouve, de vous indiquer sa position. Ce qui signifie que c'est vous qui devez l'éliminer. Les ordres sont les ordres. Les ordres sont les ordres ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Après tout ce que le paladin Dance a fait pour vous. J'arrive pas à croire que vous soyez capable de lui tourner le dos comme ça. Il y a forcément une erreur quelque part. Et il faut qu'on tire cette histoire au clair. Scrib Hélène, vous vous adressez à un officier supérieur. Vous allez immédiatement lui témoigner le respect dû à son rang, sans quoi je serai obligé de vous sanctionner pour insubordination. À moins que vous ayez de nouvelles informations qui puissent nous aider, je vous suggère de retourner immédiatement au commissariat. Certainement. Mes excuses, connétable. Je crois avoir des informations en rapport avec notre chasse à l'homme. Très bien. Comptez-vous les partager avec nous, ou devons-nous attendre que vous décidiez du moment approprié pour nous éclairer de votre savoir ? Chevalier, si vous voulez bien m'accompagner sur le pont d'envol, j'aimerais vous montrer les informations que j'ai réunies. J'ai enregistré ces données sur l'ordinateur de bord de mon vertiptère. On a changé son fusil d'épaule, Hélène. Je ne fais que suivre les ordres. Allez-y, chevalier. Je vais continuer mes recherches ici. Si vous voulez bien me suivre. C'est what the fuck ? Bon, je te suis là, mais tu vas où ? Allô ? Tiens, si ce n'est pas l'homme qui a ramené Prime à la vie, la confrérie vous doit... Le connétable Quinlan m'a dit que c'est grâce à vous si Liberty Prime est à nouveau opérationnel. Excellent travail. Mais vous êtes ici pour que je m'occupe de vous, j'imagine. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous avez entendu parler de quelque chose d'intéressant, docteur ? Je ne sais pas grand-chose. J'ai pas mal de malades et de blessés qui me prennent tout mon temps. Si vous avez besoin de soins, prévenez-moi. Ok. Pas maintenant. Prévenez-moi si ça change. Ok. Où elle m'emmène ? Où tu m'emmènes, toi ? Putain, mais pousse-toi, Cote ! Putain, mais t'es saoulant, robot de merde ! Désolé du mot, mais... What ? T'es trop gros !
Reste derrière moi. Non mais... Putain mais... Pousse-toi bordel. Hey. Prenez ça. Alors, mais pas... Bon. Je m'en fous de toi. Scrib, Ellen. Vous comptez vraiment tuer le paladin Dance? Ouais. Je n'ai pas encore pris de décision. Avant de vous décider, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Je connais le paladin Dance depuis mes débuts dans la confrérie en tant que conscrit. Il m'a formé, il m'a montré toutes les ficelles du métier. Et il m'a appris à surmonter mes échecs et à aller de l'avant. Il a gagné mon admiration, mon respect et mon amitié. Je me fiche de ce que dit le rapport de Quinlan. Et je me fiche qu'il soit une machine ou pas. C'est toujours Dance. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que... quelqu'un doit le faire avant que vous vous précipitiez pour exécuter l'ordre de Maxon sans penser aux conséquences. Dance, c'est la personne la plus altruiste que je connaisse. Je l'ai vu risquer sa vie juste pour une question de principe. C'est pour ça que je vous demande... pas seulement en tant que membre de la confrérie, mais aussi en tant qu'être humain. Donnez-lui une chance. Laissez-le vous donner sa version des faits. S'il ne parvient pas à vous convaincre, ou si vous pensez vraiment qu'il est perdu à notre cause... alors faites ce que vous avez à faire. Il est bon de savoir qu'il subsiste un soupçon d'humanité au sein de la confrérie. Vous voulez me faire désobéir à un ordre? Vous pouvez pas oublier la confrérie juste un instant. C'est vraiment trop vous demander. Parlez-lui, c'est tout. Essayez de découvrir ce qu'il cache et... évaluez vos possibilités. Si vous pensez toujours qu'il risque d'être un danger pour la confrérie, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous décelez un soupçon de pitié ou d'humanité dans son regard, je vous en supplie, laissez-le partir. Avant l'arrivée du prix d'Ouen, Dance m'avait fait identifier un point de repli pour le cas où le commissariat tomberait. C'est la station des Coups de Bravo, un vieil avant-poste militaire d'avant-guerre, à la frontière nord du Commonwealth. C'est un endroit isolé et on est les seuls à connaître son existence. Donc, il y a de grandes chances qu'il se rende là-bas. Faites attention, cela dit. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est en ce moment ou s'il nous fait même confiance. Ok, bon. Bon, ben, hein, on va voir. Enfin, perso, j'ai pas trop envie de le tuer, moi, le paladin Dance. J'ai pas vraiment envie de le tuer, quoi. Fait chier, quoi. Ça m'a l'air louche quand même, je sais pas. Vous avez déjà utilisé une mitrailleuse. Ça découpe les ghouls sauvages comme du papier mâché. J'ai mieux, tu vois, j'ai... Tu sais, tu vois, ça que j'ai avec moi là, tu vois, c'est encore mieux que ton petit joujou là. En plus, en pleine nuit, c'est trop fun. Ça découpe au millimètre près. Pour vous, mais j'ai envie de sauter. Je peux. J'ai envie de sauter. Je saute. Voilà. Le mec a sauté comme ça en mode j'en emballe les steaks. Ok. Ok, je vois si j'ai un niveau à monter. Donc on va mettre le petit point. Je vais mettre ça alors. Voilà, c'est comme ça je pourrais consommer toute la drogue que je veux, mais j'aurai pas de soucis. Voilà. on va prendre ça.
Ok, bon, on est arrivé. Ok, donc voilà. Bonjour. Bonjour la petite communauté. Vous avez entendu parler de cette ferme tenue par des ghouls? C'est ouais. Dingue, non? C'est dingue, t'as vu, hein? Par contre, j'ai pas la TH. Ah, plus que... Je me rends plus comment on fait pour activer la TH. Sérieux. Pourquoi j'ai pas la TH? What? Pourquoi j'ai pas d'ATH? What? Ok, bon, mais c'est pas grave, il n'y aura pas d'ATH. Fuck it. Putain, mais par contre, je vois pas où il faut y aller. C'est chiant. Attendez, peut-être. Sortir de l'armure, non? Là, je vois plus la touche pour la. Ah, mais voilà la tâche. Ok. Vous travaillez pour manger. C'est aussi simple que ça. Putain, je me disais, mais il passe où la TH? Il est. Ah ben voilà. Putain. Ok, c'est là-bas. Putain, avec la TH, je suis perdu moi. Enfin, sans la TH du coup. Ok, bon ben on va voir qu'est-ce qu'il en dit notre cher Dance. J'espère que voilà quoi, c'est pas un synthétique obligé à le tuer, mais... Ça me ferait vraiment chier mal au cœur pour lui. What? Ah, clairement. What, des trucs carrément ils m'ont auto-attaqué. Oh fuck. Ça y est.
chose me dit que nous ne devrions pas être ici. Hey. Ah, c'est vous. Ça ne m'étonne pas. Maxson n'a jamais aimé se salir les mains. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Dent? Parce que je l'ignorais. Jusqu'à ce que Quinlan déchiffre cette liste, pour moi, les synthétiques étaient l'ennemi à abattre. Jamais je ne me serais attendu à en être. Dire que sans Hélène, nous n'aurions pas cette conversation. Alors, quels sont vos ordres? Maxson veut me capturer vivant. Comment pouviez-vous ignorer que vous étiez un synthétique? C'est bien la question que je me pose. On dirait une mauvaise blague. Je me rappelle mon enfance, avoir grandi dans ces ruines. J'imagine que ces souvenirs ont simplement été programmés dans mon cerveau. J'ai l'impression d'avoir toujours été maître de ma vie, d'avoir pris mes propres décisions et choisi mon destin moi-même. Même si ces preuves attestent que je suis un synthétique, je ne sens aucune différence. J'ai toujours l'impression d'être humain. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes manifestement ici pour exécuter les ordres de Maxson. Est-ce qu'au moins il veut me capturer vivant? J'aimerais trouver une autre solution. Ne soyez pas ridicule. Écoutez, je sais que ça ne doit pas être facile pour vous. J'aurais préféré que Maxson envoie quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne change en rien. Je suis un synthétique, ce qui signifie qu'il faut me détruire. Si vous désobéissez aux ordres, vous trahissez non seulement Maxson, mais aussi la confrérie et tout ce qu'elle représente. Il est impossible de faire confiance aux synthétiques. Les machines ne sont pas faites pour prendre leurs propres décisions. Elles doivent être contrôlées. C'est la technologie devenue incontrôlable qui a mis ce monde à genoux et conduit l'humanité au bord de l'extinction. Je dois être un exemple, pas une exception. Mais dans ce cas, pourquoi vous êtes-vous enfui? Dès que j'ai appris la vérité, j'ai su que ma vie était en danger. Je suis un soldat. C'est mon instinct de survie, sans doute. J'avais besoin de me recentrer et d'évaluer la situation. En arrivant ici, j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai réalisé que ma fuite n'avait fait qu'empirer la situation. J'aurais dû rester à bord du Pridwen et accepter l'inévitable. Comme je l'ai dit, je dois être un exemple, pas une exception. Je n'arrive pas à savoir si c'est l'homme ou la machine qui parle. Votre perplexité ne fait que renforcer mon opinion. Je suis prêt à accepter les conséquences de ma véritable identité. Maxson vous a ordonné de m'exécuter, et il n'est pas question que je résiste. Il n'y a pas d'autre façon de régler ça. Nous savons tous les deux que c'est la meilleure chose à faire. Si vous refusez d'exécuter les ordres de Maxson, vous trahissez tout ce que représente la confrérie. Et je ne veux à aucun prix qu'une telle chose arrive par ma faute. Si vous êtes tellement pressé de mourir, finissez-en vous-même. Si vous partez d'ici sans exécuter vos ordres, j'ai bien l'intention de le faire à votre place. Maxson vous a donné cet ordre pour vous mettre à l'épreuve, et je refuse d'être la cause de votre échec. Allez, chevalier, dites ce que vous avez à dire. Allez, chevalier, dites ce que vous avez à dire. S'il le faut vraiment, je le ferai. Je n'ai jamais été aussi fier de vous qu'en ce moment même. Ce fut un plaisir de me battre à vos côtés.
ces objets, je veux bien manger. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes prêt à mourir pour Maxon? Que je sois d'accord avec Maxon ou non, la confrérie doit rester unie. Si je commence à remettre les ordres en question, d'autres pourraient faire la même chose. Je refuse d'être responsable d'une chose pareille. Même si pour ça, je dois mourir. Ne laissez pas vos sentiments obscurcir votre jugement. C'est une décision qui nous dépasse. Il s'agit de l'avenir de la confrérie. Il faut accomplir la mission. Quel qu'en soit le prix à payer. Bien. Allez-y. Pour la confrérie. Qu'est-ce que vous attendez? Ça ne me plaît pas. Ça n'a pas d'importance. Ne laissez pas vos sentiments... C'est une décision qui nous dépasse. Il faut accomplir. Bien. Allez-y. Pour la confrérie. Nettoyez mes bottes, elles sont couvertes de merde de fangeux. Au rapport, chevalier. Avez-vous réglé le problème du paladin d'Ence? Vous voulez ces holoplaques comme preuve? Ce ne sera pas nécessaire. Vous devriez les conserver pour vous rappeler votre manque de vigilance. Évidemment, la disparition de Dance laisse un vide dans notre commandement. Ce traître occupait un poste important dans la confrérie. Poste qui, à mon avis, vous conviendrait à merveille. Ses quartiers et toutes ses possessions sont désormais à vous. Y compris son armure assistée personnelle. Félicitations, paladin. Je ne vous décevrai pas, aîné Maxon. Croyez bien que si j'avais le moindre doute, je ne vous aurais pas offert cette promotion. Gardez simplement à l'esprit qu'un paladin de la confrérie se doit d'être un exemple d'intégrité pour ses frères et ses sœurs. Je compte sur vous pour ne pas les décevoir, ou me décevoir. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours combattre l'Institut et il nous reste beaucoup à faire avant de pouvoir lancer notre assaut final.
Les réparations de Liberty Prime seront bientôt terminées, mais en attendant, le capitaine Kells a identifié une menace potentielle pour nos opérations. Allez le voir immédiatement pour qu'il vous donne votre prochaine mission. Ad Victoriam, Paladin.